Eh bien salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. Désolé, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pour me faire pardonner, je vais vous présenter un émulateur Android. Donc si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as aucun smartphone et que tu te dises que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais que tu as envie d'accéder à toutes les applications que peut comporter un smartphone, eh bien c'est possible grâce à cet émulateur. Donc en gros, ça vous ouvre une fenêtre sous Android et on a accès vraiment à toutes les applications gratuites ou payantes du Google Store, etc. Par exemple, Clash of Clans. Bon, attention les oreilles, baissez le son parce que je peux pas trop contrôler ça. Ouais, ça va, ça a pas l'air trop. Voilà, ça peut niquer un peu les oreilles. Bon, par exemple, Clash of Clans, j'ai toujours voulu y jouer, mais n'ayant pas de smartphone, hein. Mon téléphone c'est du genre Nokia 3310, hein. C'est du vieux bordel. En plus, il est même pas à moi, on me l'a prêté. Donc j'ai trouvé ça et c'est super génial, hein. On peut accéder vraiment à toutes les applications smartphone. Tiens, je vais en profiter, hop. Tous les jeux, etc. Bon, jeux gratuits, mais également jeux payants, on peut les payer. Par PayPal, etc. Tiens, j'ai débloqué un objectif. Hop. Nickel. Et bien sûr, tout ça sur votre écran de PC, en Full HD, etc. C'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Voilà. Est-ce qu'il me reste de la place? Me reste de la place. Donc, non seulement Clash of Clans, mais aussi bah, tout ce que vous pouvez avoir sur le Google Store. Admettons, tiens, les top applications. On peut tout avoir, hein, de toute façon. Bon, les jeux Android, c'est souvent des jeux type jeux Facebook. Assez simple au départ, mais qui, à la longue, vous prend du temps et vous force à payer pour que ça aille plus vite, etc. Mais il y a aussi les applications plus sympas, plus communautaires, etc. Vous avez accès à tout. Alors, moi, j'ai pas essayé grand-chose pour l'instant. Donc ça, c'est les jeux populaires du moment, Boom Beach et tout. Minecraft 2, oui, bien sûr. Il y a vraiment pas mal de choses. Après, les applications sont classées par retour Media and Messenger. Oh là, ça, par contre, petit inconvénient, c'est quand on met un coup de roulette, le truc il descend quasiment jusqu'en bas. C'est un peu relou. Alors, il faut essayer, faut essayer de doser un peu le truc. Donc, il y a une option plein écran. Je vais pas cliquer dessus parce que ça va faire tout bugger Fraps. Donc on va éviter. Donc arcade, brain puzzle, racing and sport, card, casual game. Il y a vraiment Star Wars Commander par exemple. Je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de Clash of Clans en mode Star Wars. À mon avis. Ah. Merci. Après des mois de jeu, quelques euros, je vais revenir. Et là, plus de base. Lamentable. Les factions sont complètement déséquilibrées. Ouais, ça râle apparemment. Bon, je vais l'installer pour tester la chose. Ah, 39 MO, hein, de toute façon, c'est pas très lourd, forcément. Donc, moi, la première fois que j'avais installé le BlueStack, de toute façon, je vais vous mettre le lien dans la description, bien entendu. La première fois que j'ai installé BlueStack, il m'a fait un blue screen, justement. Ça m'a fait flipper à mort. La première fois que je l'ai installé, j'ai paf, blue screen. J'ai dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un blue screen, quoi? Et depuis j'ai plus touché, ça me faisait trop peur. Là je l'ai vu, il est encore là. Je me dis ah pourquoi pas. Allez Zou, on se lance. Et ça marche nickel. Arcade, action, zoom out, ok, ouais. Chargement. Donc, dès que je peux, j'enlève musique. Bon, les sons je peux les laisser, mais musique je vais enlever. Tout ça. Alors cette application mobile contient les achats intégrés. Hein. Oui, t'inquiète pas. Oh, droit d'auteur, droit d'auteur, droit d'auteur, droit d'auteur, c'est bon.
been a while since you've been on Tatooine with your old partner Zapanza. We can use my... Voilà, je vais me taper un big didacticiel, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a accès à des options ou quelque chose, parce que... There are a lot of outlaws out. Ouais, c'est clairement un Clash of Clans, mais Star Wars, quoi. Tourelle automatique. Ah oui, non, mais c'est carrément ça, mais c'est exactement... c'est exactement ça, bon. Ok, ouais, le truc d'ouvrier et tout, mais c'est... Ah, c'est... Ah non, c'est exactement ça, les trucs sont au même endroit et tout. Par contre, moi, j'aimerais bien accéder aux options, mais je ne pense pas que c'est possible depuis le didacticiel. Bon, c'est tout. J'espère que la musique est pas trop trop forte. Qu'est-ce que je voulais... Bah, c'est peut-être fait par la même personne qu'on fait Clash of Clans, hein. C'est aussi des petits joyaux verts. Bon. Et le tutoriel est basiquement le même. Bref. C'est hors la loi, prépare une attaque. Ah mon dieu, nous sommes attaqués. Ouais. Ouais, défonce là, c'est bien. Parfait, voilà, c'est bien. Ouais. Non, droit d'auteur, arrêtez avec les thèmes de Star Wars, je vais me faire défoncer. Dobra Bib Fortuna. M'appelle Bib Fortuna, oui, on sait qui tu es. Jabba's a dangerous enemy. Bon, je crois que... Bon, attends, je vais quitter, je retournerai dessus après. Ouais, je quitte. Donc voilà. Oh, je vais me faire striker la gueule par YouTube. Quelque chose de violent. Donc voilà, c'était une petite présentation. Je voulais faire une petite vidéo, même si en ce moment c'est plutôt hard de faire des vidéos avec la formation, les recherches de stage, avec le taf, quoi, tout simplement. Mais je tenais quand même à vous présenter cet émulateur Android qui est vraiment génial. Bon, bien sûr, il faut un compte Google, hein, mais tous ceux qui ont un compte YouTube ont maintenant un compte Google. Ça, de toute façon, c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez essayé, si vous l'essayez, etc. Et si vous avez envie de jouer avec moi sur un jeu qui est sur Android, ou si vous voulez que je fasse diverses vidéos sur des jeux Android, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vais essayer de faire quelques vidéos ce week-end. Je ne promets rien, ça va être compliqué. En tout cas, merci. On est maintenant 900, je sais plus combien abonnés, bientôt 1000 abonnés. Franchement, merci à vous, ça va super vite. Merci à Joueur du Grenier surtout, parce que j'ai remarqué il avait fait une vidéo sur sport dans sa chaîne secondaire. Et du coup... plein de monde sont arrivés sur mon let's play sur sport, donc bienvenue à vous les nouveaux. Pareil pour les vidéos sur Reign of King, plein de gens sont tombés au même moment sur mes vidéos sur Reign of King, donc bienvenue à vous également si vous êtes abonné. En attendant, moi je vais faire d'autres vidéos sur divers jeux, pourquoi pas, peut-être pas démarrer un let's play. Parce que j'aurai pas le temps, let's play ça va être trop compliqué, mais pourquoi pas une vidéo en plusieurs parties, je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Pour les lives, le week-end prochain je peux pas, parce que là j'ai envie d'en faire un. J'ai envie de faire un live, mais je sais pas quand. Ce week-end j'aurais pu, mais j'ai pas pu vous prévenir, donc je préfère pas. Je réfléchis, le week-end prochain, le week-end prochain, je pourrais peut-être. Il y a peut-être moyen que je live le week-end prochain. De toute façon, vous serez au courant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des suggestions. Parce que là, j'ai un peu le syndrome de la page blanche. En tout cas, petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas fait pour être au courant des prochaines sorties. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. C'est Azarath pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde!